Bonjour tout le monde, ici PikaPofKC pour mon épisode de Witcher 3. Donc là, on avait fini comme l'introduction un peu d'un épisode. Donc là, on peut se promener. On peut tout simplement se promener. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par la ville où est-ce que je suis, d'avoir des quêtes. Je fabrique une fronde, je vais aller chasser l'ours. Nice. Chercher les ennuis. Wedmer, tu viens trinquer avec moi? C'est Dervan maintenant. D-E-R-V-A-N, pas Guadmar. Mais pourquoi ça? On se connaît depuis toujours. Et puis c'est quoi ce nom à la noix? Dervan? C'est Nilfgaardien. Grand-père était de Nazaire. Ah, d'accord. Eh ben brisons là, maître Dervan. Puisse le soleil d'or vous guider. Le plus loin possible de mes terres. Bonjour. Essaye Andra, il n'est plus qu'elle. Il pleut, l'empereur est mis au flouille, s'est cogné la tête en allant au lit. Demain matin, il nagera dans son pipi. What the fuck? Cherche charrue empruntée. Aide extérieure. Mort en haut aux envahisseurs. Contre le démon du puits. Besoin volontaire. Quoi? Nouveau marqueur, lieu non découvert. Qui t'a appris cette chanson? Chitty. Je sais comment ça marche une carte. Est-ce que tu m'as comme montré une place non inconnue? What? Bien. Mon frère, où es-tu? Bastien, mon frère, est parti affronter l'escadron noir. Il y a tout lieu de penser qu'il a pris part à la grande bataille près d'ici. Quand les rois se battent, c'est les paysans qui trinquent. Nouvelle quête. Suive cette quête. Ah, c'est vrai, pour la map, faut que je glisse mon doigt. Ok. Il faut que j'aille ici. Oui, si je te revois avec lui, tu le regretteras. Cherchez les ennuis. Ma grand-mère m'a parlé de ça. Où est mon cheval? Il a disparu soudainement. Alors les villageois ont capturé un sorcier et tout chassé non loin pour éteindre les puces pas. On peut pas faire de soupe sans. Comme il s'est pas laissé faire. Il vous est arrivé quoi, la figure? On ne veut même pas avoir à son chien. Oui. On a pas de vouloir venir. Allez, je vais avoir de la misère avec la map. Je veux pas avoir de filtre. Je sais pas, ils sont où les... Je sais pas, il est où mon cheval, il veut pas venir. Barbare. Qu'est-ce que t'as dit, enfoiré? Ah, il est là. Oh, Ablette. Mort. C'est ce qu'on a vu de l'éléphant.
vu. Est-ce que j'ai vu quelque chose? À date, j'ai rien vu. J'aime pas le fait de... Oh. C'est pas ça que je veux faire. Qu'est-ce qu'il y a là? Déserteur. Chopez-le! Allez! La bonne épée, moi. Tu vis, il est quand même rough. Les raviolis. C'est moi qui est pitoyable, honnêtement. Non. Mon épée est meilleure. Page arrachée. Moi, être honnête, là. J'ai une map à côté de moi qui montre tous les points intéressants, donc je veux rien manquer. On pourrait dire. Ah, oh, c'est parce que j'ai enlevé. J'ai-tu enlevé les affaires? Ouais, c'est-tu que je cave. Donc, campement de bandits.
Ok, on voit les points d'interrogation. T'as le pont ici, t'as un trésor. J'ai pensé que on a peut-être vu un nouveau. Je pense pas que. Okay, livre. Je pense pas que les humains soient considérés comme bestial, mais on peut être très étonné. Cache de contrebandier. Qu'est-ce qu'on a ici? Je sais pas c'est quoi ce truc là. Peut-être Ablette ou... Quand c'est gris, transparent, ça veut dire que c'est fait. Cool. J'ai pas envie de plonger, ça sert à rien. Tu veux que je crève, c'est ça? Pour aller voir ce qui se cache ici. Tant que j'ai de la nourriture, moi je suis correct. C'est la blette qui est là-bas. La blette? La blette. Je vais te crever, charogne. Putain. Ah. Oh ouais. Tu te prends pour un héros, hein? Visez les yeux, ce bâtard. Wow. Ouais, venez. Enfoiré. Arrachez-lui les couilles. Yo, yesti. Tu me niaises-tu?
C'est pas super. C'est une question s'adapter au combat, là. Ne laisse pas le choix. De la vigueur, les gars! De la vigueur! Les dieux! En gros, c'est ça, c'est... Épée gauche, c'est pour les... En argent, c'est pour les monstres. En acier, c'est pour les humains. Okay. Tu fais ça avec une échelle? J'ai pu entendre des loups. Plus là-bas. On va être proche, par exemple. Note écrite à la hâte. Suis censé crever pourquoi au juste? La Téméria, le père, est déjà mort pour ça, mais trois frangins idem, et ça leur a apporté quoi? Des nefles, oui. Même pas un sépulture décente. Le père disait toujours qu'un homme sage apprend des erreurs des autres. Alors au lieu de crever pour la Téméria, je m'en vais voler à ceux qui ont tué ses fils. On campe dans un chouette coin au milieu des bois près d'un vieux moulin et nous voilà prêts pour notre premier raid. En tout cas, il y a de la nourriture ici. Non, je peux même pas ramasser le fromage. Une vieille peau de chèvre. Oh, il a le butin. Compte rendu interrogatoire. Schéma épais en acier de l'école du père. Lieu forteresse de Marette, participant à Messire. Nouveau schéma d'artisanat. Chasse au trésor, équipement de l'école de Vipère. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il est, l'équipement de... Ok, tout ça. Ok, on voit toutes les affaires dans la map. Fait que j'ai pas besoin de la map interactive. J'ai juste allé dans tous les coins, tous les spots, points d'interrogation, etc., etc., puis je peux tout aller faire. J'ai envie d'aller voir c'est quoi qu'il y a là. En même temps, je vais faire... Super au combat. Je sais, je l'ai commencé. Ben, en fait, je l'ai pas commencé, mais... C'est sur le chemin. Pas fou, je sais qu'il y a des loups en bas. J'arrive pas de faire la maudite erreur de...
shit. Des noyards. Niveau 4. Alors, on a les foies. Putain, petit coquin. Je m'éloigne un peu de mon objectif. Mais je vais prendre de l'eau. Peau d'ours blanc. Il y a quelque chose ici, par exemple. J'ai pris quelque chose de nouveau, je pense. C'est pas une huile, c'est pas une potion. Dans les bêtes, on a les loups. Je me disais qu'avec tous les griffons, les basiliques et les je sais pas quoi encore qui traînent dans la région, je risquais pas d'être embêté par des loups. Bien, ça n'a pas empêché ces sales bêtes de boulotter la moitié de mon troupeau. Une vargue, le berger. Les loups régnaient jadis 100 mètres sur la forêt. Adultes et enfants tremblaient de peur en entendant leur hurlement. Depuis la conjonction, cependant, les monstres ont eu seulement considérablement réduit le territoire des loups, mais ils ont également pris leur place dans les cauchemars des hommes. Pour autant, l'ancien prédateur n'en reste pas moins dangereux. Le loup n'est pas un animal magique, il ne crache ni feu ni acide, mais il continue néanmoins de tuer les chasseurs et les voyageurs imprudents. Les wargues, une sous-espèce de loup, sont des adversaires particulièrement coriaces, tout comme le loup blanc des terres sauvages de Skellridge. Ça, c'est faible contre l'huile, contre les bêtes. On a les noyeurs. À la pêche, la première règle, c'est de ne pas faire un bruit. D'abord pour ne pas effrayer le poisson, mais surtout pour ne pas attirer les noyeurs. Yannick de Blevinken, pêcheur. Un noyeur ressemble à un cadavre humain, ayant longtemps séjourné au fond de l'eau. Boue et vase sortant par tous les pores de sa peau bleuâtre ou verdâtre, et il émane de lui une odeur âcre de chair pourrie. Pour cette raison, la croyance populaire veut que le noyeur, ainsi que ses sinistres cousins Vodnik, Fangeux et Noyadé, naissent des cadavres noyés en eau peu profonde. Voyageur perdu tomba dans une tourbière, enfant porté par le courant, ou dans le cas du Vodnik, paysan éméché égaré dans les marais. C'est faible contre Igni. Ok, j'ai-tu ça, moi, des... Je peux-tu en faire? Une huile contre... Non, il faudrait des plantes. Il faudrait des pissenlits. Mais... Je peux équiper... Igni. J'ai rien à perdre. Arrête de cuiner, Hussard. On ira chercher Bastien plus tard. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? M'as-tu vu? Arrête de cuiner, Hussard. On ira chercher Bastien plus tard.
Ça gaz. Ça reste qu'il faut que je m'habitue. Lui, il était un mauve. Une épée de Vicovaro. Ça vaut la peine. T'en as-tu un cadavre ou quelque chose? Oh ben oui. On ira chercher Bastien plus tard. Dégâts. Plus 6 de vie. Ça veut dire que je peux mettre quelque chose? Plus 2% de gain en adrénaline. Chance d'étourdissement. Intensité des signes. Moins 1, plus 6 d'armure. 7 d'armure. Bottes de chasse. Résistance aux dégâts perforants, résistance aux dégâts confondants. Une petite gêne. Arrête de couiner, Hussard. On ira chercher Ravioli. Faut que je fasse attention quand je fais ça, hein. Des loups. Arrête de couiner, Hussard. Juste des pissenlits. Avez-vous des pissenlits? Ils sont très proches. It's a wolf. Amène-toi, allez. Parle au monsieur. Le soleil brille sur vous. Arrête de couiner, Hussard. On ira chercher Bastien plus tard. Est-ce qu'il y a des pissenlits proches de toi? Il y a des corbeaux.
parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais autant dire le mien maintenant. Vous voyez, Bastien a combattu les Nilfgaardiens à l'orée du village. Et depuis, je suis sans nouvelles. Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. Il a pas osé. Bon sang de bois. Vous avez été sur le champ de bataille? À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors j'ai pris une torche pour les repousser. Des conneries, oui. Sans ce bon vieux hussard, je finissais dévoré tout cru. Dites, vos deux épées, là, ça doit pas être pour la frime? Venez avec moi. Tenez les goules à distance. Aidez-moi à trouver Bastien, et je vous paierai bien. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs jours. Les chances de retrouver votre frère vivant sont minces. Très minces. Sans blague. Mais je tiens à retrouver son corps, au moins. Que Bastien pourrisse pas au soleil à côté de ses foutus escadrons noirs. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe le champ de bataille. De là, on ira ensemble. Ok. Colline qui est là. Retrouver d'une près du champ de bataille. Fait que je pouvais explorer ces deux places-là ici. Avant. Je suis jamais habitué que X c'est pour sauter, que ça me gosse. C'est rond pour sauter. Hein. C'est passé ça. Mais le verre monte seul ou? Ah, c'est parce qu'on est au soleil. Qu'est-ce qu'il va avoir ça? Selon vous. Un campement de bandits encore. Qu'il n'y a pas de bandits. Ok, c'est weird. Est-ce qu'il est meilleur que... Épée longue, Nilfgaardienne, épée en acier. Plus 3 de dégâts. Mais non. Ça va être meilleur, ça fait plus de dégâts critiques. Ça fait plus de chances de faire des dégâts critiques. Quand bandit, pas de bandit. Étrange. Des pissenlits? Non, c'est pas les pissenlits. Attends une seconde. Quelqu'un que je ne connais pas m'a écrit. Je ne pourrais dire parce que je pourrais pas le lire. Je voudrais des pissenlits, mais ça va être difficile à trouver. Il y en a plein chez nous de ça.
On était ici. Il n'y a pas longtemps. C'est quoi ça? Des ghouls? Ni de monstres. C'est pas ton jour de chance. Crever là. Jesus Christ. Si, bois. J'aimerais ça que ma vie monte plus vite, par exemple. Je suis en train de me dire que ce que j'ai été chercher en haut n'a pas été ramassé. Oh my god. Ok, je vois que je sauvegarde plus souvent. J'ai-tu des bombes? Je pense que j'ai des bombes. Oh, des ghouls, ça va être facile. Et je me suis trompé. Du monde de maison, pensez? Oui, du monde de maison, ok. Sauvegarder. Je sais même pas si j'ai la ce que j'ai besoin pour péter le nid. Je me rappelle que les nids sont... Je suis assez de pissenlit. Il manque 3 pissenlits pour faire ça. Puis moi, dans mon inventaire, j'ai quoi? J'ai une potion... J'ai aucune bombe.
qui viennent. Ah, il y en a beaucoup. J'ai une... J'ai une arbalète. Non, j'ai pas d'arbalète. C'est ça quand il y en a trop. Ah, quelle puanteur! Ici, il y en aurait juste un. D'en tuer un à la fois, ça serait formidable, mais il bouge tellement vite. Il a l'air éloigné. Faire languir longtemps. Ça m'a un peu d'XP, je pense. Je vais m'en débarrasser. Pour détruire un Nidgoul, il vous faut une bombe, ruche, samum ou étoile d'encens. Il n'y a pas de bombe. Ici, je me téléporte. Peut-être que lui, il peut m'en vendre. Chose bin, non? Mushroom.
Ah bon, faut que j'aille sur ça. On va aller voir notre vendeur préféré. Bienvenue. Au revoir. Il me faut. Chez les nonnes, j'en ai. Il me faudrait du salpêtre. Bienvenue. Je sais pas s'il y en vend. Voyons ce que vous avez en magasin. Tu vends-tu du salpêtre, mon gars? Je peux vendre du stock. Mais il vend pas ce que je veux, là. Au revoir. Peut-être que la madame... Ça me dit que je peux défaire cette affaire. À quoi ça sert? À démonter. Comment tu veux que je démonte ça? Je sais pas que je demande ça, là, mais... Il vous fallait quelque chose. Des choses intéressantes sous votre contrôle. Ça dépend de ce que vous cherchez. Ah, t'as pas de salteux, hein? Ouais, t'as pas grand-chose, t'as juste de la bouffe. Y a-t-il une vendeuse quelque part d'autre? Adieu. Oh, il y aurait un herbaliste proche. C'est ça que j'ai besoin d'un herbaliste. Elle serait genre ici. On va voir ça tout de suite.
Je sais pas si ça va être juste de l'herbe qu'on va vendre ou plus des affaires d'alchimie, mais... Des moutons. Allô, moutons. C'était un loup, hein? C'est pas toujours une chance. Parce que quelque chose qui fait du dommage ici. Non, je me suis fait avoir, y a rien ici. Faudrait que je trouve un moyen de trouver... Des quêtes partout? Une là? Une là? Une là? J'aimerais faire une bombe. J'ai pas de salpêtre. Faut que j'explore. C'est une bonne idée. Ils sont très forts, les loups, ici.
Mo. Je vous aurais prévenu. Qu'est-ce qui se passe? D'où veut Jace? Oh, j'ai peut-être tué quelqu'un. Il aurait peut-être pas fallu faire ça. Parce que je cherche de quoi, c'est juste ça. Jeter à l'œil, Nordien. Barbare. C'est relevé assez vite. Il y a une nique là, je peux rien faire. Je sais que je marche beaucoup, là. Je devrais utiliser mon cheval plus que d'autres choses, mais... Je suis comme ça. On va arrêter l'épisode ici. Prochain épisode, on va continuer la première quête qu'on a pris, puis on va voir ce qui se passe. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir été tout le monde, puis capiquez à tous, et à la prochaine.